Non, je lui ai tout raconté. J'en ai caché quand même un petit peu, mais je lui ai dit l'essentiel. C'est bien. Et en ce qui concerne Angel, t'as avoué quoi? J'ai résumé. Tu sais, je n'ai pas l'intention de cacher quoi que ce soit, Riley. C'était une trop longue conversation et j'avais Faith en tête. Aucun indice? Non, elle est introuvable. J'avoue que j'aimerais bien que la chance me sourie un peu. Au moins, t'es pas la seule dans ce cas. Je parie que toute la police de Sunnydale est à sa recherche à l'heure qu'il est. Le piège va se refermer sur elle. Moi, ce que je ferai à sa place, je prendrai mes clics et mes claques et plus vite que ça. Tu n'es pas moi. Dis donc, j'ai mené ma petite enquête. Chouette, tout a l'air de très bien se passer sur le campus pour toi. J'étais à ta recherche. Je suis restée allongée pendant 9 mois, Buffy. Comment tu me trouves? Comment tu te sens? 5/5. C'est fabuleux le coma. Je me suis réveillée fraîche comme une rose, en pleine forme et disposée à me battre. Je suppose que tu plaisantes, là. Tu crois que je me suis réveillée pour t'inviter à prendre le thé? T'as essayé de me tuer, ma belle. Si tu avais pu, tu m'aurais fait la même chose. Allez, arrête, on verra. On verra qui gagnera. On n'a aucun besoin d'en arriver là. Alors là, tu vois, ça fait 8 mois que j'attends ça. Tous ces gens sont innocents, tu vois bien? Non, j'en ai rien à faire. C'était vraiment impossible d'espérer que tu utiliserais ce temps pour réfléchir et pour grandir. Je peux dire la même chose de toi. C'est vrai, quoi. Tu es toujours la même. Buffy est toujours la plus forte. Et tu sais, quand je m'en suis aperçue, c'est dans un rêve que j'ai souvent fait. Je sais pas ce que ça veut dire, mais dans ce rêve, il y avait une blonde parée de toutes les vertus qui me poignardait. Tu veux savoir pourquoi? Dis-le, ça te fait plaisir. C'est une interprétation possible. Dans mon rêve, elle le faisait pour un garçon. Toi, derrière, n'insiste pas, sinon je m'énerve. Je me réveille et j'apprends que la blonde ne sortait même pas avec le garçon dont elle était folle dingue, mais qu'elle s'était rabattue sur un crétin d'étudiant minable qu'elle a rencontré. Et non seulement elle a oublié celui qui était l'amour de sa vie, mais elle a aussi oublié celle qu'elle a failli tuer pour lui. Voilà ce que c'était mon rêve. Je sais aussi des trucs sur des cigares et un tunnel. Mais tu sais, jolie étudiante, ce que ça veut dire? Pour moi, je vais te dire. C'est que tu la ramènes avec des choses que tu es loin de comprendre. Oh oh, je crois que tu as des admirateurs. Non ! Arrêtez-vous ! T'as pris ma vie, Buffy, mais je te promets que tu vas le regretter. J'entends ce qu'elle dit ! On se reverra.